What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play sur le Final Fantasy. Donc c'est parti, on va pouvoir utiliser son Yellow Submarine parce qu'il était vraiment jeune en plus. Alors, you have Oxiel, you are the ones we've been waiting for. Donc on est la personne qu'elle attendait et on va pouvoir enfin sauver les sirènes. Elle nous le demande solennellement, nous devons sauver ces sirènes. Et là elle se déplace comme j'ai toujours rêvé de le faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Très bien. Oui, je veux rentrer dans le barrel. C'est parti. Oh. Attention, grosse cinématique next-gen. Et nous voilà, très certainement dans le temple de l'eau, où il faudra combattre Monsieur Boss, qui va ressembler à une sorte de poulpe bleu, j'imagine. C'est le poulpe qu'on avait vu là en statue, dans le coin des sirènes. Alors, de toute façon, vu qu'on est sous l'eau et qu'ils ont mis un filtre dégueu. Ah non, non, mais en combat, il n'y a pas le filtre. Parce que tout risquait d'être un petit peu bleuté, du coup, forcément. Et qu'est-ce que c'est que ça, Water Naga? Ok. Bah les Nagas c'est ça, c'est des sortes de serpents à tête d'homme de la mythologie Jap, il me semble. Hein. Je suis pas sûr hein, de ce que je dis, attention. Il me semble avoir compris que c'était ça. Alors, voilà, évidemment, pour ne pas changer, c'est un labyrinthe. Franchement, pour tout ce qu'on avait fait avant, ils auraient pu quand même nous foutre le boss directement en face de notre gueule, quoi. C'est comme si on s'était tapé le labyrinthe 20 fois, là. C'est bon. Ah, c'est pas ici. C'est toujours vraiment à l'extrême, quelque part, qu'il faut aller, hein. Dans un coin, en fait, de la map, pour se diriger. Allez, là, on va rebalancer le Tundaga, et ils vont tous mourir. Donc, il y a des princes sahagins, maintenant. Mais même les chefs qu'on est censé défendre. Waouh! Ah ouais, non, mais ça déconne vraiment plus. Hein. Bon, y a que Bilal qui déconne encore. Allez, Tundaga! 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 Waouh! La suprême puissance là. Waouh, les du 400, tout le monde, c'est bon. Respectez-nous. Ah, peut-être. Peut-être le boss? Non, pas du tout. Là encore, il y a des longs chemins comme ça avec des piliers. Ah, on croise des fantômes. Sauf que moi je suis Ghostbuster. Tiens, hop, du 258 d'entre à Trunch. Bon, Bilal qui ne tapera pas du coup. Pendant deux tours, il tape pas. Il craint en fait. Hein. Il craint réellement. Non, mais je voulais passer là. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Oh non. Ah. Il y a un troll des mers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, on va spammer Tundaga vu le nombre de potions éther qu'on a sur nous et qu'on n'a pas utilisé. Ah merde, on aurait pu tous les OS au corps à corps en fait. C'est pas grave. Voilà, pour la beauté du geste, comme on dit. Quelle belle action de la part de Battu. Du 400 de dégâts au pauvre serpent. Là, on peut monter ici. On peut encore monter. Ok. Alors je sais pas si c'est la solution. Ah, il y a une porte. Déjà, on est en face d'une porte. On se prend des putains d'embuscades. On va se calmer, les amis. On va se calmer très vite. Voilà. Hop là. Ça dégage. Alors. Je pense pas qu'il y ait le boss derrière. Enfin, si c'est possible, en fait, c'est carrément possible même. On va voir ça. Ah bah non. Pas du tout. Mais du coup, c'est des nouveaux escaliers, ça, on est d'accord. D'ailleurs, je sais pas si c'est nouveau ou pas. Bah, quand on va descendre, on verra bien. Attendez.
Oh là là, j'ai vraiment une mémoire de merde là en ce moment, c'est grave. Faut que je consulte, je pense. Alors attendez, si je vais là. Ah bah non, c'est un nouvel endroit. Mais on est coincé. Oh là 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 là. Oh, mais non, mais il y a une porte qui mène à un coffre. Waouh. Gros coffre. En fait, on a plus le sens, comment dire, la valeur des choses. 110 guilds, c'est beaucoup en fait. On peut s'acheter deux potions avec. Mais on est tellement riche aujourd'hui, vous comprenez que, bah voilà. C'est considéré comme n'étant plus rien. D'ailleurs, j'ai envie de savoir à combien d'argent on est là. Par combat, on en gagne combien? 1800 là. Ce qui fait qu'on est à 127 000. Tout va bien. Oh là là, mais c'est des coffres trolls. Ah. Peut-être que... Peut-être qu'un jour on va trouver le chemin vers le boss. Quand on a autant d'options que ça. Des coffres. Yes. Pas yes du tout. Bon alors, il y avait les élémentales de tous les trucs, ils avaient la même tronche. Alors pour l'eau, ils ont fait un tourbillon, tout simplement. C'est des tornades en fait, tu combats des tornades. Ils ont même pas une petite tête ou une sorte de... Il y a une petite particularité pour te montrer qu'ils sont vivants, quoi. Non, non, c'est un tourbillon en fait. Qui mange des dégâts. Bon, ça c'était des coffres pas mal, on va dire. Oh là là, mais le Bilal, il est tellement nul. Mais c'est incroyable ça, comment ça se fait qu'ils aient oublié dans toutes les villes de mettre des armes pour des moines? Mais imaginez, il va pas y avoir d'armes de moines jusqu'à la fin du jeu. Mais je le vois venir à des kilomètres. Les créateurs du jeu, ils ont oublié. Pendant les premières villes, ils ont commencé à mettre des armes de moine. Et après, ils ont fait... On n'avait pas une classe qui s'appelait moine dans le jeu? Oh, c'est pas grave. Sortons notre Final Fantasy, premier du nom. Ben, ils ont pas dû dire premier du nom parce qu'ils étaient pas au courant qu'ils allaient en faire plusieurs, je pense. Allez. Tundaya dans ta tronche. Violent. Par ici, on va essayer de descendre. Il y a une porte. Donc, il y a écrit requin blanc. Ok. Donc, les créateurs de Final Fantasy sont officiellement daltoniens. Bon, daltonien, normalement, t'es pas censé inverser ces couleurs-là. Mais bon, c'est la blague, voilà. Compréhensible de tous. Les scientifiques ne viennent pas me faire chier dans cette vidéo. Tiens, coup de nunchaku du début du jeu. Donnez-moi un coup de l'épée de glace que j'ai chopé hier. Hop. Et tiens, voilà. Super. Ah, des gants géants. Et ça s'équipe, ça? Attends. Ok. 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 Bon, personne n'en veut tes gants géants, apparemment. Je pense qu'on va utiliser des popos là. Ça crée un petit peu notre vie. Donc, on a 13 potions comme ça. Allez, poche de foule. Bah, ça passe. Ah, si, ça suffit. Et. Merde. Oh. Si on va faire ce que je veux un peu. La high potion. Voilà. Une sur toi. Et c'est bon. Du coup, on peut pas descendre. On va par là.
En fait, je pense que je suis tombé sur la... Ah, j'espère vraiment pas. Hein. Si on est tombé dans une sorte de salle avec que des coffres et qu'il n'y a aucun moyen pour rejoindre... pour rejoindre le boss et qu'il va falloir retourner en arrière pour trouver un autre escalier, là, je vais devenir fou. Hein. Pendant le combat, moi, je regarde la Solus. Alors, voyons voir. Oh là là, effectivement, il faut retourner au rez-de-chaussée, à ce qu'ils disent. Ah, ça a l'air pas mal ça, la light axe. Attendez, light axe, elle est où? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Putain, je peux pas voir, ça m'énerve de pas pouvoir voir les stats des armes. Bah elle est moins bien, en tout. Putain, ça sert à quoi, s'il vous plaît? Arrêtez de m'agresser, je veux juste tuer votre chef. Vous voyez votre employeur là, voilà, je veux juste lui péter sa gueule. Ça n'embête personne, qu'on soit d'accord. Ça réglera bien des problèmes. Lui, je pense qu'il a cherché la merde. Hein. Ah oui, toi la merde, tu l'as voulu. Hein. Le scorpion tout seul comme ça, là. Laissez-moi partir. Ah. Visitons quand même, même si on sait que c'est pas là. Tuons cet œil moche. Ce smogogo œil. Et ce requin blanc qui n'est pas blanc. Je pense qu'il y a des escaliers là, on va se barrer. Escaliers, ils sont où? Oh non! Tuez-moi ces trucs! Ces choses moches à qui on leur fait du 440 de dégâts. Ce qu'on est censé faire en fin de jeu. Voilà. Allez hop. Ah oui, là il faut bien remonter. Il faut qu'on retourne au rez-de-chaussée. Alors attendez, comment je fais ça moi? Je comprends pas ce qu'ils veulent en fait. Putain, c'est mal expliqué! C'est très mal expliqué, cette Solus! T'as déjà que le jeu, il est complexe, et en plus, les Solus, elles sont pas bien expliquées, mais alors, où va le monde, quoi? Voilà, mais là, je continue à monter, quoi, il faut que je redescende, les mecs. Laissez-moi... descendre au rez-de-chaussée. Donnez-moi un ascenseur. Donc là on est au deuxième. Bordel. Let me tranquille. Dégage. Tiens, Nunchaku qui fait 78 de dégâts. Ah mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais j'ai l'impression en fait qu'il y avait qu'un seul passage, on pouvait aller que là-bas, non? Attends, parce que si on pouvait aller que là-bas et que je me retape tout en arrière, je vais devenir un petit peu fou. Un petit peu, hein. Voilà. Qu'on soit d'accord, que je crie pas comme un dingue. En plus, j'arrêterai pas cet épisode tant que j'aurai pas tué le machin dégueu. Enfin, le boss, quoi. Alors. Putain. Magie.
Toundaga. Je retourne sur la Solus pendant ce temps-là. Alors, les... Je ne comprends pas, il faut que je trouve un moyen pour descendre, mais où? Oh merde, qui c'est qui m'a empoisonné sérieusement? Putain, je commence à manquer d'antidote en plus. Ah, j'aurais pu le laisser crever lui, ça sert à rien. Vous avez vu, j'ai des casques chelous là, Ribbon là, c'est quoi ça? Ribbons at Wards of Special Attack. Très bien. Si tu le dis. Alors, hop. Oh non. Je déteste hein. Quand je tombe sur un cul-de-sac et en plus au moment où je m'en rends compte je me fais agresser. C'est le pire. Ça va, technique pour pas me faire agresser. Parce que je n'ai pas besoin de farm les mecs, c'est bon. Vous pouvez m'envoyer, tuer le roi des démons, ce que vous voulez. Je suis fin prêt. Oh putain de merde! Je vais faire une manifestation. Stop au cul-de-sac. Stop! Stop! Je dis stop! Je sais même pas si c'est une vraie chanson ça. Je sais pas si ça m'a venu en tête. Tiens, tatane. Tatane de troll. Hop, 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 hop. Oh non mais l'escalier va... Attendez mais du coup j'étais bien descendu là. Oh là 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 là. Et putain, et en plus je me suis trop dépêché, du coup j'ai pas du temps. Parce que là, il aurait fallu que je lance un sort plutôt que d'envoyer tous du colacol. Ce qui était très bête de ma part. Et voilà, le scorpion qui va pas mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont nuls. Oh, j'aimerais bien que tu fasses ça plus souvent, tu vois. Même si c'est 30 dégâts de plus que ce que tu fais d'habitude, ça nous permettrait au moins de tuer les ennemis d'un coup. Bon, du coup, je remonte, ce qui n'est pas censé être ce que je dois faire. Attendez, putain, truc de malade. Trouvez-moi le bon chemin, s'il vous plaît. Je suis sûr ils m'ont induit en erreur, ces connards de la Solus là aussi. Ça n'a aucun sens. Là je peux monter. Mais j'ai pas envie de monter, il faut que je descende au rez-de-chaussée, messieurs. Voilà, ce que je dois faire c'est descendre. Mais là je venais de remonter, donc le seul endroit où descendre c'est à gauche là-bas, putain. Bon du coup on va monter quand même, parce que cet escalier on l'a pas visité, comme ça on le fait. On va se débrouiller par nous-mêmes, voilà. Hein, on est dans le donjon, tant pis. On va tout faire. On perdra moins de temps parce que cette partie-là est mal expliquée. Allons ici. Du coup, là, on est au quatrième. Et porte là. Oh non. Ah, je vous jure, il y a trop d'aggro. Trop d'aggro, c'est impossible d'évoluer sur ce putain de jeu. J'aimerais juste aller d'un point A à un point B. Et ce n'est pas possible. Parce que ces connards avec leur tête de trisomique m'agressent. Regardez cette tête de triso qu'ils ont quoi. Oh gaga, on va mourir. Bon, donc là il n'y a rien. Ça mène la pute. Sa mère, sa mère. Merci d'avoir décédé pour mon bonheur personnel. Le putain. Allez, Toundaga, c'est parti.
passe mon micro, j'ai soufflé un peu dedans. Et là, franchement, c'était pas... C'était limite pas involontaire, je commence à souffler. C'est parce que... C'est la fatigue qui s'exprime. Tundaga, 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 Tundaga. Oui. Allez, tout le monde meurt. Voilà. Merci, merci. Ils continuent à prendre des niveaux quand même, hein, les mecs. Oh. Je vais me faire attaquer par les... La SPA et tout là, c'est bon. Hein. Pas de défoncer du requin. Tous les jours. En même temps, ils l'ont bien cherché. Ça va me faire perdre du temps là. Tiens. Voilà, mange-toi du 408. Et retourne pleurer dans les jupons de ta mère. Alors, il y a quoi ici? Un coffre. Mais ils se déplacent en bataillon, les mecs. Bon, bien évidemment, vous avez tapé les 9 avant tout le monde. Hein? Voilà. Juste pour nous foutre un dégât, on perd 3 minutes. Merci. Mage staff. Donc j'ai un bâton de magicien. Donc apparemment les autres bâtons n'étaient pas des bâtons de magicien d'après eux. Pas du tout, ça sert à rien ce bâton du magicien. D'ailleurs il est où? Pour voir s'il a pas un pouvoir particulier. Staff, Zcast, Fire, One Use. Super. Donc j'utilise le bâton, ça fait Fire. Et il est où le boss? Oh mon dieu, vous voulez ma mort? Mais pourquoi ils sont plus rapides que nous? Et ça, les gars, chef, on les croisait, on était niveau 2 sur le jeu. Ils sont plus rapides encore. Un truc de malade. Allez, tapez tous bien avant mon mage. C'est l'utilité. Ah bah d'ailleurs, on va essayer ça. Je me suis dit peut-être que si je mettais mes mecs en défense, ils laisseraient taper mon mage en first, en fait. On va essayer ça les prochaines fois. Ah bah tiens. Est-ce que c'est une prochaine fois? Non. Et ça, on défonce ça au corps à corps. Encore une hache de lumière, mais je veux pas ces merdes là. C'est pourri. C'est intérêt à se revendre quand même. Et le magasin il va pas en vouloir. Il va cracher dessus. Attends, j'ai envie de te dire quelle idée de faire une hache en lumière, s'il te plaît. Même une hache en papier, ça fait plus de mal que de la lumière. Alors. Oh là 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 là. Moi c'est moi. Tranquille, je te pète la tonche. Allez, tu meurs. Crevez tous. Putain, je, à chaque fois dans les combats, je spam la touche croix. Ah. Ah, peut-être que... Peut-être que oui. Enfin, je pense pas du tout, parce que dans la solution, ils ont dit qu'il était au rez-de-chaussée, le boss. Mais bon, on a toujours le droit d'espérer. Oh non, en plus il... Oh. Ah, une... Ça j'aime bien. Je pense que je vais beaucoup aimer. Ah, voilà. Non, je m'équipe pas du truc du guerrier pour le coup. Hop 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 hop. Putain.
Oh putain. On fait 7 pas, on se fait agresser quoi. J'en perds ma voix. J'en perds toute mon énergie vitale. Ah oui, non, mais du coup, on est revenu à... Oh là là. Incroyable. Ah. Je sais qu'il y a une porte par ici. D'accord. Non, j'ai vraiment cru. Est-ce qu'il y a une carte d'intérieur, s'il vous plaît? Mais non, pas du tout. D'accord, donc là, on est de retour au début. Et normalement, la source m'avait dit de retourner vers le début, parce que c'était là qu'on allait pouvoir redescendre directement, non? Non, moi, je pense qu'en fait, il fallait retourner là où j'étais depuis le départ, là, qui avait plein de coffres. Et qu'il y avait certainement un chemin à emprunter. J'ai du mal capter tout simplement. Ah, pas vous! Attendez. Def, def, def. Tundaga. Non, ils se défendent même pas tout de suite, ces connards. Donc du coup, ça revient à que dalle. Je peux attaquer? Non, ils se défendent en fait. Là, ils se défendent parce que sinon ils prendraient au moins de dégâts. Et voilà, du coup, je tape avant tout le monde. Ça fait gagner du temps quand même. Voilà. Quelques frames d'attaque. Ça mène à quoi ça? Ah, un coffre, ça alors. Comme on en voit tous les jours. Hop. After this. Voilà, normalement, du coup, on va retourner là où on était au tout début. Enfin, là où on avait commencé à évoluer, quoi. Peut-être qu'à cet étage-là, il y a moyen de descendre. Si je vais par là-bas, par exemple, je n'ai pas fait ça.
On va trouver, on va trouver. Je me réinstalle sur ma chaise. Hop, je fais des étirements parce que sinon notre dos, eh ben il va se retrouver un peu dans le mal. Non, en plus on est déjà passé par là. Je me rappelle de ce piège. Ça y est, on est des dieux vivants sur Terre, là. Les mecs, arrêtez! Arrêtez de nous rendre plus forts! Je pense qu'il faut monter cette fois. Faut aller vers là. Comme ça. Je sais pas, là c'est un instinct. Un instinct très puissant qui me parle. Oui! Cet instinct avait raison. Pour la peine. Blazaga! Qui va vous faire du 20 de dégâts, je le sais, mais c'était juste pour le kiff de faire mon dernier sort. Ok, 236, tout va bien. Boum! Voilà, personne ne meurt, c'est très bien comme ça. Oui! J'imagine que c'est ça le rez-de-chaussée, mais non, c'est le premier étage ça. Putain de bordel de merde. Soignons nos personnages avec des high potions. Hop. Voilà. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Une porte. Ouf. J'espérais du profond de tout mon cœur
S'il vous plaît, faites que ce ne soit pas un cul-de-sac. Allez, Tundaga, c'est parti. Tapez tous, faites des frames d'attaque inutiles. Allez, hop. L'homme qui ne one-shotera pas. L'homme qui one-shotera mais pour que dalle. Et l'homme qui aurait one-shoté tout le monde. Voilà. Tac. Pas ici, pas ici, pas ici. Je le sens. Ah oui, la sortie, la sortie. Ah, ah, ah. Oh là là, on se rapproche. Bon flair. Il me le dit. Il m'envoie des messages. Oh non. Putain. Les magasins, ils sont trop... ils sont trop aware pour vendre des antidotes aujourd'hui. Donc ça commence à devenir une denrée rare là. Allez, 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 s'il vous plaît. Ah putain, mais plus j'avance, plus... Oh. Voilà. Trouvez-moi cet escalier vers le rez-de-chaussée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh putain, c'était le premier étage en fait, le rez-de-chaussée pour eux. Très bien. Attendez, d'abord on va soigner avant de... Putain, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Oui. Allez, full life. Hop. On prend de l'éther. Et voilà. I'm ready to the fight. Évidemment, on sauvegarde parce que sinon, si on perd, je vais devenir fou. Et les boss, généralement, de ce genre de jeu, peuvent one-shotter comme des bâtards. Des humains. I would not have to see you were. Je ne pensais pas vous voir ici. Oh mon dieu. Va-t-il y avoir encore cette animation? Oh my god. Qu'il est moche. Putain, c'est son frère. C'est Patrick, c'est le frère à Patrick en mode bleu. But do you really think you can defeat the fiend of water in my own domain? Penses-tu battre le démon de l'eau dans son propre domaine? Ah, laisse tomber. Les ténèbres creuseront ta tombe. Ah ouais. Ah ouais. Ah putain. Oh là là, franchement ça fait pitié de voir les gens qui font des chirurgies esthétiques, mais je jure que toi t'en as besoin quoi. Oh là là, ça craint. Et oui, on va te péter la gueule. Bien sûr qu'on va t'arracher ta tronche. Regarde, attends, j'ai Saber. Tiens, regarde. Attends. Non! Non! Attends, je peux monter que mon attaque à moi? Et c'est débile! J'ai cru que le jeu il avait freeze au début, j'ai eu très peur, mais en fait non, on peut se boost attaque que nous! Mais je vais pas attaquer avec un mage, mais ils sont cons! Putain, tiens, mange ça dans ta tronche. Ok. Donc il met du 120. Ah, waouh! On fait très mal, on fait très bobo à ce boss. Tiens, moi je fais très bobo, combien tu vas prendre dans ta tronche? 400, voilà. Toi tu es useless. Tu vas encore servir à donner des potions à tout le monde, moi je te le dis. Allez, on continue. Tundaga. Bon du coup, en fait c'est que son épée elle est en glace à l'autre, c'est pour ça que ça fait très peu de dégâts. Sinon il ferait plus que le guerrier. Et tiens. Il va mourir, moi à mon avis il meurt au prochain tour là. Parce que des 100 à 400 comme ça dans ta tronche, je pense pas qu'il est censé s'en prendre. Hein. On est un peu trop puissant pour lui. Tiens, va en enfer. Eh oui, c'est la fin, j'ai vu un grand éclair. Ah non. J'ai cru que c'est... Ah voilà, c'était le petit coup d'épée de glace. Putain, mais c'est trop facile. Aussi, on farme trop tellement on s'est paumé là. Je vous ai dit, on est trop fort là pour ces boss. C'est pas possible. Regardez en combien de tours on les tue.
Et voilà, de 3 cristaux réanimés sur 4, on se rapproche de plus en plus de la fin de ce jeu. Que se passe-t-il? Ah bah oui, forcément. La statue va disparaître. Oh la pauvre petite sirène, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je ne sais pas. Mon dieu. Oh, une statue disparaît en clignotant. Ceci est bizarre. Ah ouais, d'accord, ça, elle se téléporte à la Sangoku, j'avais oublié aussi. Super. T'as pas le cristal quand même. Ceci est le cristal alterne de l'eau. From which the power of water flow from. Allez, partons d'ici. Ouais. Et bien les amis, c'est là qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vais juste sauvegarder. Ah, ça fait du bien. Ouh. Qu'est-ce que ça fait du bien? Manque plus que le cristal de l'air. Et bien voilà les amis, comme je dis, c'est ici qu'on va se quitter. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cet épisode. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.